Très sincèrement, j'avais vraiment pris la décision de me renseigner un peu plus et d'essayer de comprendre temporal machin là. Mais phase là. Mais je vois pas l'intérêt du mode. Je trouve que c'est faire d'une manière très compliquée des outils qui ne servent à rien dans ce type de mode pack. Ouais, on a une table d'enchant alors qu'on n'a pas d'XP, il est très content. Formidable. Après c'est ça, je crois que j'ai tout. Bon, j'ai tout. Alors j'ai fait toutes les quêtes hors caméra. Parce que j'ai tout fabriqué. Quand on cuit, on a du sable avec. Mais ça marche pas comme ils le disent. En fait, c'est avec un bol et machin, on obtient du sable, du temps, du sable du temps. Hein, c'est pour faire dormir les gens, hein, c'est les sables. Ah, il manque ça. Je savais bien qu'il manquait un truc. Vraiment, le mode inutile, inutilement compliqué pour faire des outils qui ne servent à rien. Franchement. Ah, et encore un biome. En plus, alors le mode pack, je suis un peu déçu, pour être franc. Je suis même très déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus construit. En fait, le début est très bien, super. Il y a des modes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Très très bien. Le problème c'est qu'on peut avancer dans les quêtes, on n'obtient que des dimlets, enfin que des trucs qui servent à rien. On peut faire tous les trucs sans rien comprendre à un mode, hein, c'est ce que je disais l'autre fois. Donc ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà, donc toute cette quête-là est faite. Voilà. Bon, bah il n'y a plus que le suivant. Il y en a déjà 53 de faits, j'ai rien fait encore. Ah bah c'est tout Equivalent Exchange, c'est pour ça. Alors ça. Ah bah ça a été fait, claim reward. Oui, en plus, donc ça s'est pas libéré dans le bon sens, puisque j'ai eu envie de faire les trucs avant. Donc il y a un vrai souci, c'est un peu décevant. Ah, je n'ai pas fait la pickaxe en Dark Matter. Par contre, j'ai fait les collecteurs. Ah, super, des dimlets, comme c'est original. Et encore les tin blocks. Ah, ça fait au moins 90 blocs depuis le début. Team block. Oh non. Non, il y a quelque chose qui est un peu bâclé quand même. Je voudrais pas être méchant, mais Agarian me paraissait quand même un peu plus sérieux dans le truc, même si à la fin ça partait un peu en délire. De l'or, là, c'est un peu différent. C'est pas mal de l'or. Partie des bons trucs. La table de transmutation, elle a été faite avec une seringue. RF Tool, ça. On va mettre là-dedans. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la seringue avant, parce qu'il fallait la remplir avec du jus de cochon. Condensation. Ouais, tout ça, ça a été fait. C'est quoi ça? Ah bah les Klein Star, je les ai faites sans le demander. Ah bah je savais pas que c'était ça le dernier truc. Antimatter relais, du coup je l'ai fait aussi. Eh bah oui, on a fait Equivalent Exchange avant. Bah, du coup, on va avoir d'autres choses à faire d'Equivalent Exchange. On va pouvoir s'amuser. Non, c'est ça que je voulais. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça, ah bah ça on a tout obtenu. Hein. On peut donc créer un. On peut pas le mettre là-dedans, ça? Non. Bon, on va le ranger. On n'en a pas besoin de toute façon. Il me reste deux quêtes. Il me reste la chakari et le four de fou furieux. Très bien! Et le téléphone pour me gâcher ma séquence. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans le 16e épisode de Pathfinder, et probablement le dernier déjà, puisqu'en fait, on a pratiquement fait toutes les quêtes. Il nous reste à faire la pickaxe en Dark Matter et quelques outils de Project E. Bon, on va continuer, hein. On a déjà fait ça la dernière fois. La pickaxe, il me faudra après 3 Fulxed, j'ai bien fait d'en faire plein. Alors, ça pousse. Et voilà, c'est poussifié. Il reste plus qu'à faire un peu de matière noire. 1, 2, 3. Elle craignait de montrer quoi? Alors, aether, hop. Hop. Alors. Ah, bravo.
Même pas droit. Hop. Ça. Hop, 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 hop. Là, normalement, maintenant, on est blindé. On sait faire. Et il manque un truc, là. Ouais. Un petit diamant. Ouais, pour fignoler, histoire de dire que c'est un truc de luxe. On fignole avec du diamant. Incrusté de diamant. Ouais. Alors, moi, c'est la fête, hein. Allez. Eh bah, devinez quoi? Encore un dimlet. C'est bien les dimlets. Dimelette, 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 mimelette. Bon, alors. Ensuite, qu'est-ce qui clignote? Lui. Bon, bah, c'est les fameux fours, hein. Un Dark Matter Furnace. Il se fait avec 8 Dark Matter blocs. Alors, du coup, j'ai fait des. Les Klein Stars, je les ai multipliés. Peut-être un peu trop. Peut-être. Hein? 700 000 là-dedans. Oui, là, la dernière fois en faisant le montage, j'ai dit que tout était en MK3. Là, ça y est, ce coup-ci, c'est tout en MK3. Il y en avait quelques-unes qui étaient en MK2, là. Je l'ai vu au montage, au moment où je disais j'ai tout upgradé en MK3, mais non, il en manquait. Storage 5 millions. Ah, bah c'est pas mal ça. Et ça, 1,5 million. On va mettre ça là-dedans. Parce que j'ai peur de manquer un peu. Combien il y a là-dedans? Il y a 4. Ah, bah si, ça va. On va manquer de rien. Errare. Donc, on peut refaire. Allez, en faux. 4 et 4, 8. Ah! Faut du diamant! Eh ben, allons chercher du diamant. En fait, dans ce mode pack, tout repose sur les fermes de cristaux, là. Une fois qu'on a ça, c'est à rouler. C'est tout tranquille. On a fait les graines. Il n'y a même pas besoin de pousser l'agriculture. De toute façon, on ne peut pas l'automatiser. Donc, on peut pas aller plus loin. Je comptais faire plein de fermes, ça sert à rien. Tac. 3, 8. Beaucoup d'haïter. Il est où le truc? Et on fait de la matière noire. Ça, par contre, on est obligé de le crafter. Hop. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est ça. Quand on les met par 4, on obtient. Mais c'est un bloc, une boule, donc ça va. Non, il faut autre chose. J'en étais sûr. Est-ce qu'il faut pas un vrai four au milieu, par exemple? Dark Matter Furnace? Ah non, il est là. Oui, c'est ça. Il faut un vrai four au milieu. J'en ai pas un là-dedans. Furn. Mais si, parfait. Hop, hop, hop. Dark Matter Furnace. Yes. Et je parie que le truc suivant, c'est le Red Matter Furnace. Structure type contrôleur. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais de toute façon, on n'en aura pas besoin. Donc tout est parfait. Paf. Paf. Alors, donc ça. Une matière rouge, on l'a fait. Et encore un dimlet. Ok. J'ai rien gâché, j'ai rien jeté. Hein. Bon, ça c'est un four. On va le poser, il est bien. Ah, ils sont tellement bien ces fours. Tellement rapides, pas d'électricité. On met quelques haïters au Mobius fou, n'importe quoi, pour cuire. Ça cuit une vitesse de fou. C'est absolument génial. Alors. Non, ça. Quel est celui qui clignote? Cisco Polystone. Alors ça c'est grandiose parce que là pour l'instant on est nourri par le truc qu'on a fait l'autre fois. Le truc des Rev Tools. L'espèce de saturation module, machin, l'espèce de beacon électrique là. On pourrait mettre un générateur big réacteur uniquement pour ça, pour le mettre à fond et englober toute notre base. Mais avec le body BNU là. On peut carrément être nourri sans avoir à manger directement. Je crois que c'est ça. Hein. Pas je les confonde. Donc un bloc d'émeraude, 4 matières noires une fois de plus, et 4 dimensional shards. Les dimensional shards, c'est le seul truc qu'on ne peut pas se procurer automatiquement.
Qui obligerait à mettre un quarry. L'idéal, ce serait d'avoir le chien. Hein, parce que le chien, on lui dirait, tu vas chercher juste ça, et puis il irait. Un bloc de ça, et 1, 2, 3, 4. Et on est reparti pour faire de la matière noire à gogo. Hop, et ça, malheureusement, obligé de le crafter. Et 4 matières noires. Un bloc de ça, et 4 étoiles. Bon, c'est pas du tout la recette normale, hein. Hop, c'est Shift, clic, c'est G. Voilà. Alors normalement, même si on va loin, attends, on va le désactiver pour voir. On va tester. On va aller plus loin, histoire d'apprendre à avoir faim. Oui, mais le problème, c'est qu'avant que la barre de saturation descende, il va se passer du temps. Body Stone. On va pas tester ça, hein, du coup. Bon, 64 EMC, c'est rien du tout. Bon, on va... Tant pis. On va mettre ça dans la table de transmute. Comme ça, on pourra le ressortir un. Allez. Ah, il veut pas. Ah, storer de EMC 64. Ok, ça store tout seul. Ok, oh, ouais, on peut le charger. Bon, ça c'est bien, ça donne de la bouffe. Hein. D'ailleurs, c'est pas très cher, normalement, on peut le faire en début de par... assez tôt dans la partie, sur une partie normale avec Project E. Donc, ça permet d'avoir à manger assez longtemps. Si je me souviens bien. Ou ça soigne, ou je sais plus. Enfin, bref. Je crois que c'est surtout manger. Body Stone. Il y a plusieurs des stones. Intérêt d'assaut, feeding, voilà. You, whenever, saturation, get low. Voilà. Donc, ça c'est terrible, terrible. Voilà, claim reward. Et ça, je crois que ça fait le 18e maintenant. Peut-être même plus, hein. Si, si. Quand même. Bien. Ensuite. Bon, bah ça. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Une transmutation de tablette. Et il se moque. Un Rainmatter Furnace. Ah, le Rain Morningstar. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est l'outil absolu. On aura 10 reward bags. Génial. Bon, on va commencer par le Rainmatter Furnace. Donc, il va falloir que je fasse énormément de Dark Matter. Puisqu'il en faut 3 à chaque fois. Il m'en faut 8. 8 fois 3, 24. Quand même. Non, ça fait 20, ça. 1, 2, 3, 4. 11 et 11, 22 et 2, 24. Énormément d'aether. Bon, ben voilà. Je craft. Et voilà. Donc, si on met ça en carré. Voilà. Et normalement, si je prends... allez! Allez, encore un effort. Tu peux le faire. Non, mais sérieux. Ah, on peut pas l'enlever? It's a joke. Non. Ah, il faut de la Dark Matter pour enlever la Dark Matter. Ouais, pourquoi pas? Donc la pickaxe en Dark Matter est bien plus puissante que celle de Tinker. Bon, le Red Matter Furnace. Ah oui, non, on n'a pas encore fait. Normalement, c'est un upgrade de celui-là. Non, eh ben non. Encore raté. Normalement, c'est ça. Hein. Ah non, il n'y en a que 3. Oh, j'en ai fait beaucoup trop. Sérieux. Oh, c'est moins cher que je ne le croyais. C'est détecté. Ouais. Bon, par contre, la table. Hop. Transmutation de tablette. Non, il faut la crafter. Comme je l'ai faite hors quête, bah voilà, faut que j'en fasse une autre. Alors, tablette, tablette. Oh là là. Diamond chest, quand même. Hein. Oh, oh là là. Bon. Bon. Bon, bah, et je vais me les faire, hein. Pas le choix.
Ah, mais en fait, ce qu'il veut, c'est la transmutation tablette, c'est-à-dire celle qui est portable et qui n'a pas du tout la même recette. Ok. Donc, faut faire deux énergies condenseurs. Quand même. Quand même. Bon, on est reparti. Du coup, le Diamond Chest, il sert à rien. Ah, bah non, il sert à rien. Parce qu'on va récupérer notre table à la fin du craft, normalement. Bon, ok. Ouais, c'est ça. Deux. Ouais, on y va. Covalence. Covalence. Je me demandais ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est des choses dont on se sert souvent, les éléments qu'on a souvent besoin. Voilà. Alors, par contre, pour les blocs de magnélium, il va falloir fondre beaucoup de tout ça pour faire beaucoup de magnélium. Allez. C'est bon. Ça va aller. Ça va se faire vite. Il en faut combien exactement? Ah, il faut 8 blocs quand même au total pour faire 2 condenseurs. Ah, quand même. 8, 9 fois 8, 72. Lingots. J'en ai 6. Courage, Fifox, courage. Et voilà la transmutation. Ah, il m'a piqué ma tablette quand même. Oh, j'ai plus que celle qui est sur moi. Ouais, remarque, c'est bien aussi. C'est rigolo. C'est tout pareil en fait. Mais c'est sur moi. Bon, du coup, j'ai fait trop de matière rouge. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je devais peut-être refaire une autre tablette. Ouais, je vais en faire une parce que je préfère l'avoir par terre. Je pense, ça me dérange de l'avoir sur moi. Ça me prend un truc dans mon inventaire. Bon, bah alors, on va faire une table maintenant. De transmutation. Elle est où? Donc mon coffre bleu là, pas pour rien. Parce qu'il a piqué la table. Je pensais qu'il rendait la table, moi j'étais presque sûr. Bon, il me faut encore deux blocs de magnélium, mais c'est pas possible, ça. Combien il en reste? Ah, super, je les ai. Génial. Et voilà. Parfait. Donc comme ça, l'autre. Alors, c'est comme Blood Magic, c'est un réseau en fait. Donc tous les AV qu'on met dedans, on les retrouve, etc. Donc on peut. N'importe quel moment, on peut prendre sa table portable si on est loin et remettre dedans. Terrible. Et on a la même chose dans celle-là. C'est une seule table en fait. Même si on en fait plusieurs pour mettre à différents endroits, si on a plusieurs petites bases, c'est pas un souci. Donc, quelle est la quête suivante? Ah, le Morning Star. Alors, le Morning Star, normalement, c'est un truc fait de plusieurs outils. Morning. Good morning. Good morning. Faisaient les Beatles. Donc, il faut faire l'appel. En Redmatter, ok. Donc celle, d'accord. Il faut d'abord faire des flux, InfuZ, et après on peut faire les autres. Les pickaxes, bon, il n'y a plus qu'à upgrader celle-là. Et le hammer, qui a à peu près c'est à peu près la même chose que le hammer de, mais sauf qu'il y a plus de fonctions évidemment après que celui de Tinker, c'est 3x3. Ok. Et la meilleure, ça te fait avec la Battle of Range. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ok. Donc, le seul outil qu'on a déjà, c'est la pickaxe. Donc, il faut faire la Battle of Range. La Battle. Est-ce que j'ai assez de petits trucs comme ça là? Non, je vais pas en avoir assez. Bon, on va déjà faire ça. Il faudra refaire des petits rods d'obsidienne. Oui, je vais en faire d'autres. Et voilà déjà le marteau en matière noire qu'il faut donc transformer en matio, en mato, en mato, en marteau, je vais y arriver, en matière rouge. Bah comme ça j'ai cru que j'en avais fait trop, mais non, que nenni. Ah oui, ça, ah, il me faut encore plus de matière noire et de matière rouge. Ok, ça fait 3 fois que je vais rechercher des diamants et je vais finir par en manquer. Si c'est possible, un coffre entier risque de ne pas suffire. Et la pickaxe. Et une shovel. J'ai dû remplir à nouveau ça avec des cubes là, de l'Aeternaïsque pris dans les collecteurs. Parce que j'ai plus de MC. Et il faut que je fasse 6 matières rouges. 3 fois 6, 18 matières noires. Quand même. C'est beaucoup. Donc 18 blocs de diamants. Il y en a encore plus. Oh là là! Bon, j'espère qu'après il n'en faut pas encore 3 milliards parce que ça commence à se faire rare.
Le diamant. Et normalement... Ouais, parfait. Donc, le marteau, la pelle et la pickaxe. Morningstar. Ta-da-da-da. Bon, alors ça, il y a tous les modes. C'est non, V pour charger. G, non, non, il y a juste le V pour charger. Voilà, et ça vaut tous les outils du monde. Ça vaut la pickaxe. On peut ranger les outils skincare. Ils servent plus à rien. Il suffit d'avoir une Klein Star sur soi bien chargée. Et avec ça, on fait des trucs comme le destruction catalyse, tout ça, ça casse tout. L'obsidienne, tout, instantanément. C'est tip top. Tong. Alors, est-ce qu'il est content? Il est content. Et là, on a 10 sacs à ouvrir. Ah, des redstone, énergie, flux. Oh, un dimlet, comme c'est original. Encore un dimlet. Oh, bah des dimlets. Qui a dit qu'on avait besoin de dimlets? Ah, mais oui, des dimlets. Bon, des dimlets. Sinon, maintenant, reste à faire une Klein Star Omega. Et, bah en fait, j'en ai déjà fait trois. Donc on a encore des dimlets, n'est-ce pas? Des dimlets, des dimlets, et des dimlets. Et voilà. Super. Et voilà. On a des tuyaux et plein de dimlets encore. Ah, on a une... Oh, une Ardennet Cell essentielle. Si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'on deviendrait? On pourrait pas finir, dis donc. Ah si, on pourrait. Ah bon, d'accord. Tacac, tacac. Ah, c'est bien, on a de l'énergie gratos en fait. Je suis même pas sur Big Reactor, peut-être qu'on aurait peut-être pu s'en passer, si ça se trouve. En étant un peu économe dès le départ. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Rien. Fuck! On a tout fini, dis donc. J'en reviens pas. Eh ben voilà. Eh ben c'était une chouette partie. Bon, franchement, la fin est décevante. Le début est super. Vraiment bien, le début c'est un Star Trek et tout. Tout y est, c'est cool et tout. J'aime bien le certains plans, le choix des modes, etc. À part le work phase, la machin, ça je vois pas l'intérêt. Et puis le fait que si on peut pas mettre tous les outils dans les fermes, parce qu'en automation, machin, là c'est bien, mais avec des trucs qui marchent une fois, c'est un peu limité quand même. Et comme on n'a pas eu de division Sigil, je vois pas comment on peut faire. Donc on peut pas faire l'agriculture automatisée. On peut juste automatiser les seeds là avec les métaux, enfin les lingots. Et ça c'est très bien. Et heureusement qu'on a ça. Ça déverrouille tout en fait. Une fois qu'on a les diamants, les émeraudes, les perles et tout ça là-dessus, c'est fini. Donc voilà, c'était la fin de cette saison. Alors, je voudrais vous demander demain, puisque j'ai reçu ma clé, demain on est le 21, ça sera peut-être aujourd'hui pour vous, mais commence l'Alpha 4 de Sky Saga et j'ai une clé. Donc, est-ce que vous voulez que je filme mes débuts sur Sky Saga et qu'on fasse la découverte ensemble? Vous me le dites dans les commentaires. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.